Bonjour, je suis Michel Hulin, chef d'un relais château au Bout-de-Provence, la Cambre d'Or, actuellement en poste depuis mars 2001. Je vais vous présenter une noix de Saint-Jacques rôtie à la plancha avec une poêlée d'endive au miel de Provence et une émulsion agrumes et amandes caramélisées. Donc pour accompagner les noix de Saint-Jacques rôties avec la poêlée d'endive caramélisée au miel, j'ai sélectionné un AOC Condrieux. C'est la cuvée Caresse de chez Monsieur Christophe Pichon qui allie un très beau fruité, une élégance et une belle puissance dans la minéralité. Voilà, c'est un très beau produit qui va très bien se marier avec ce plat à base de Saint-Jacques et d'agrumes et les endives caramélisées. Donc pour cette recette, nous avons besoin donc de coquilles Saint-Jacques fraîches, bien sûr, en coquille, d'orange, des endives, des amandes torréfiées, suprême d'orange pour la poêlée, du miel de Provence, AOC Provence, un peu de beurre et également de la coriandre fraîche qu'on va ciseler au moment pour mettre dans notre poêlée. Donc on commence par les noix de Saint-Jacques, une opération qui peut être faite par votre poissonnier. Il faut qu'elle soit bien fraîche, bien ferme. Donc à l'ouverture, bien gratter le couvercle plat avec le couteau pour bien décoller la noix, comme ceci. Pour la deuxième opération, donc, c'est nettoyer la noix de Saint-Jacques. Et c'est assez simple. Donc avec le doigt, on sectionne. Avec les doigts de dessous, on pousse et on resserre ses pouces. Pas une opération très compliquée. Après, on va les rincer sous l'eau pour enlever le sable. On enlève bien les filaments éventuels. Bien enlever la partie sableuse. Il n'y a plus de graines de sable en fait. On a nos Saint-Jacques qui sont prêtes. On va réaliser des suprêmes d'orange qui va constituer la garniture avec la poêlée d'endive. Donc pour les suprêmes d'orange, avec la lame du couteau, on vient épouser la forme de l'orange. Notre lame doit suivre la partie blanche de l'orange. On vérifie bien qu'il n'y ait plus de ziste en fait, la partie blanche. On réalise donc les suprêmes, ceci, qui reste bien ferme, qui va constituer notre garniture avec les endives caramélisées. Et voilà. Pour la sauce à base de jus d'orange, pour l'émulsion jus d'orange frais, on va mettre à réduire. Donc on va laisser réduire jusqu'à temps d'obtenir une consistance sirupeuse. Donc pour le taillage de l'endive, on fait un taillage de cette grosseur là. Donc on épluche toutes les feuilles, on récupère le cœur. Et pour aller jusqu'au bout de l'endive, on va émincer pour éviter le gaspillage. Ça fait partie aussi d'endive. Donc là, on va réaliser la poêlée d'endive. Premier poêlage. Ça, on va mettre la poêlée. Donc on va concasser un peu de coriandre qui va rentrer dans la composition de la poêlée. Au niveau de l'émulsion orange, une fois que le jus d'orange est réduit et qu'il arrive à cette consistance sirupeuse, à partir de là, on commence à ajouter le beurre. Donc on va réaliser comme un beurre monté à base de jus d'orange. Si c'est un peu trop réduit, on rajoute un petit peu d'eau pour compenser la réduction. Pour pas que ça soit trop acide. On va additionner un petit peu de crème fleurette. Ça peut paraître assez lourd, mais une fois qu'on aura émulsionné, qu'on aura un petit peu détendu, avec un petit peu d'eau, on va avoir une texture très légère et bien mousseuse. Donc au niveau de l'émulsion, donc on veut récupérer cette écume mousseuse dessus pour saucer les Saint-Jacques. Ça a une texture assez légère et bien onctueuse. Donc là, nous allons réaliser la poêlée d'endive, une trait d'huile d'olive. Donc on démarre dans un beurre noisette. On met les endives. On vient tout de suite mettre une noix de miel. Et on peut s'apercevoir qu'elle commence donc à caraméliser. Il faut que ça prenne une couleur blonde. Attention au piège de ne pas trop mettre de miel. Il faut que ça soit assez équilibré. On rajoute pas du tout de sel. Ce qui va faire l'équilibre du plat, ça va être les noix de Saint-Jacques qui sont naturellement un peu salées. L'émulsion orange qui va amener un petit peu d'acidité et de rondeur. Et également la poêlée d'endive qui va être caramélisée, qui va amener un peu de sucre et d'amertume avec l'endive. Donc après cette première opération de poêlage, on va laisser un petit peu s'égoutter les endives pour les reprendre une deuxième fois tout à l'heure avec donc la coriandre, les suprêmes d'orange et les amandes. Donc voilà ce qui va composer notre poêlée d'endives qui ont déjà été pré-poêlées une première fois avec le miel. Elles sont déjà fondantes, donc ça sera un poêlage assez rapide. Ça va durer 2-3 minutes. Donc nous avons les amandes torréfiées. Nous avons les suprêmes d'orange avec la coriandre. Et donc les noix de Saint-Jacques
qu'on a nettoyé tout à l'heure, donc on a épongé sur du papier sopalin. Nous avons aussi l'émulsion d'orange élaborée à base de jus d'orange réduit, beurre, crème, tout simplement émulsionné. Donc nous allons passer à l'étape finale. Donc on va bien évidemment assaisonner les noix de Saint-Jacques avant cuisson, sel, poivre des deux côtés. Donc nous allons réaliser simultanément la poêlée d'endive et en même temps la cuisson sur les Saint-Jacques. Donc on redémarre pour notre poêlée d'endive avec une noix de beurre. On va redémarrer donc une caramélisation. On démarre la cuisson des Saint-Jacques. On démarre à sec, c'est-à-dire sur la plancha ou sur une vieille poêle anti-adhésive, c'est-à-dire sans matière grasse. Et puis on va venir déglacer avec un trait d'huile d'olive, une noix de beurre. Et au moment qu'on aura déglacé, on retournera la noix de Saint-Jacques. Donc au niveau de la poêlée, on va rajouter les amandes, on rajoute les agrumes. Au niveau des Saint-Jacques, on va donc rajouter le trait d'huile d'olive, deux petits carrés de beurre. Pour la cuisson des Saint-Jacques, c'est quasiment terminé. Donc on a la poêlée caramélisée, nous avons les Saint-Jacques caramélisés. On va donc s'attaquer au dressage. Donc pour le dressage, un cercle. On vient déposer la poêlée d'endive au fond. On vient faire un petit matelas pour les Saint-Jacques avec les agrumes, les amandes et les endives. Donc on vient maintenant positionner les noix de Saint-Jacques par-dessus. Donc on vient saucer les Saint-Jacques avec l'émulsion orange. Un petit trait d'huile d'olive pour rehausser le plat. Fleur de sel, une petite chips d'orange pour amener le croquant. Quelques pousses d'herbe. Voilà notre plat. Notre Saint-Jacques caramélisé, poêlée d'endive au miel et agrumes. J'ai sélectionné un AOC Condrieu. C'est la cuvée Caresse qui vient du nord des Côtes-du-Rhône. Encore un peu de gourmandise pour accompagner la Saint-Jacques. Monsieur Pichon produit cette cuvée avec un seul cépage, le Vionnier. Un domaine qui est de taille humaine, qui fait environ 14 hectares. Très beau AOC Condrieu. Ça a un nez. Qu'est-ce que c'est bon? Voilà un beau vin pour accompagner les noix de Saint-Jacques.